Yo les gars, c'est Asie, on se reprend un tout nouveau tuto pour le test. Il réalise des TikTok, fait des lives sur Twitch, anime un Discord. Vous n'avez peut-être pas compris tous les termes de cette phrase, et pourtant, cela décrit en partie le métier de Loïc. Sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 26 ans, originaire de Étain, est connu sous le pseudonyme Tazi. Il a développé une passion pour les jeux vidéo, notamment de moto. Et a commencé il y a quelques années à créer des vidéos où il teste des jeux pour partager ses connaissances. C'est-à-dire qu'on va essayer de gérer le frein. Donc là, avec ce modèle, là, j'ai un 250. Peut-être un peu compliqué pour débuter. Depuis début 2023, cette activité lui permet de gagner de l'argent. Il est aujourd'hui auto-entrepreneur. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui considèrent ça comme pas vraiment un métier, mais au final, si on regarde un peu de partout, il y a des gens qui sont monteurs, c'est leur vrai métier. Nous, on fait un peu dans ce côté-là aussi, on fait des montages. Et aussi, du coup, nous, on a le montage, mais on veut aussi gérer une communauté, essayer de créer tout un réseau finalement. Il y a plein de choses qui sont assez réfléchies. Et c'est vraiment un travail, il faut avoir du temps quand même de libre pour créer des vidéos, réfléchir à quoi créer, être inventif. Pour combler ses fins de mois, il combine son activité avec des missions intérim. Il espère pouvoir dans quelques temps vivre pleinement de sa passion. Loïc a toujours eu à cœur d'aider les autres, notamment sur les outils informatiques. Il aimerait se diversifier en partageant ses connaissances. J'ai aussi eu déjà des propositions de personnes qui me demandaient si je pouvais pas montrer ce que je faisais à leurs enfants. Parce que c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui donne envie aux jeunes en fait de d'évoluer dans ce domaine, sauf que c'est très fermé, que ça pourrait être intéressant de transmettre mes connaissances aussi sur le côté informatique, bon, imprimer des documents, des choses qui sont très simples au final, mais que certaines personnes ont du mal. En attendant de mettre en place ses premiers cours, Loïc, alias Tazi, est actif sur YouTube, TikTok, Twitch et Discord.